MP électronique. Aujourd'hui, je vous présente mon programmateur pour ouvrir un système de son, une lampe ou quoi que ce soit à une telle heure. Le socket ici, on peut mettre un interrupteur, mettons une lumière ou un système de son qu'on veut qui s'ouvre à une lampe. Genre ici, on a l'heure courante. Maintenant, il est indiqué 23h44. Et il fait les comptes des secondes, donc 23h45. Pour activer l'alarme, donc c'est important que l'interrupteur ici soit vers le bas. Deuxième chose, ici c'est pour ajuster l'heure courante. Ici, pour ajuster les minutes courantes. Ici, on peut être sur le bouton alarme. Par défaut, l'alarme est fixée à 23h44. Donc, pour mettre les minutes de l'alarme, on va mettre la lame à 23h48. Avec 3h49, on va ouvrir ma lampe vu que mon interrupteur est à une position. 23h49. Donc, pour les heures, on va aller jusqu'à 23h. On va attendre jusqu'à 49. Ma lampe va s'allumer. Donc 23h48, dans 55 secondes, ma lampe va s'allumer. Ici, je vous présente un peu. J'ai programmé ça dans un PIC 16F887, donc 104 MHz avec 2 condensateurs de 22 picofarads pour la précision d'une seconde ici. Chaque seconde, vous voyez les secondes qui avancent. Bouton ici, heure horloge, minute horloge, alarme. Alarme en même temps, heure de l'alarme. Alarme en même temps, minute, alarme ici pour un reset. Donc, vous voyez ici, on a sa part. Ça nous fera de chaque bouton plus fort pour empêcher le rebondissement des touches. Donc, vous allez voir ma lampe. Avec 23h49, la lampe s'allume. Donc ma lampe s'est allumée à l'heure que je voulais. Pour fermer ma lampe, donc faire un reset complet, j'appuie sur ce bouton. Donc, on va mettre la lampe à une autre heure. Donc, là on va pouvoir appuyer sur reset et ça va fermer la lampe. Donc, c'était mon projet de... C'était mon projet de interrupteur, donc horloge. Donc c'est ça. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres projets. Bonjour.